Il y avait une très bonne équipe de la Zambie en face de nous. Voilà, bon, on a fait des très bonnes situations, comme des... on a eu pas mal d'occasions. Maintenant, on a eu beaucoup de déchets techniques. Et tactiquement, sur le pressing, on était un petit peu en retard. Bon, après, on a des occasions franches à marquer en deuxième mi-temps. C'est encourageant, on continue à travailler. Et je l'avais dit, moi j'ai envie de donner du temps de jeu à tout le monde. Donc pour lundi, on continuera à donner du temps de jeu à tout le monde. On a mal géré le pressing adverse et on a été un petit peu négatif dans notre jeu. Donc c'est-à-dire on jouait beaucoup vers l'arrière. Voilà, donc on a donné confiance à cette équipe qui nous a pressés. Et nous, on dégageait très vite le ballon et on a manqué de conservation dans le ballon. Voilà, donc je le vois un peu comme ça. Tout à fait, on est en train de travailler, il faut que les joueurs adoptent ce système de jeu. Et peut-être qu'un jour je mettrai deux attaquants, mais ce sera deux ailiers. Ou peut-être je mettrai deux relayeurs, mais ce seront deux ailiers. Donc aujourd'hui, j'essaye des choses, je travaille, on prend des risques, parce qu'on veut travailler, on veut mettre un projet de jeu en place, et il faut que mon équipe progresse. Donc encore une fois, c'est un bon match avec une opposition de qualité qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2012 et qui a une très très bonne équipe. Donc on a eu longtemps géré jusqu'à ce que longtemps banc et on a essayé de se rouvrir. Vraiment, l'équipe colontaire, match amical, mais match amical du monde, avec sa rang avec confiance dans ma pour que l'éliminatoire à l'attaque. Entraîneur de son équipe, Falin Doni, parce que match amical, le dos, ben nana, bébé tanné, j'ai son nom. Un joueur ou bien prenez nous ni quoi tu es mort au moment là donc match là bas ni à la semaine on m'a dit j'avoue faire gagner comme lui quand ils sont dans la juge jamana on a perdu la juge jamana le coach avait donné ses instructions au début du match. Je pense qu'on a bien attendu le match. Après, avec la fatigue, le terrain aussi fatigué, on a essayé de forcer, mais moi on a compris que on pouvait pas continuer jusqu'à 90 minutes. Voilà, après c'est sans les automatiques du match, il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Voilà, on a donné ce qu'on pouvait donner et Dieu merci, on a gagné. Ça va vous les il y a eu des périodes si j'ai joué, si j'ai pas marqué. Voilà. Le football là, c'est chaque période. Quand il y a ta période, voilà, tout est réussi. Je n'ai pas dit c'est parce que c'est le 26 mars, ou bien comme nous score. Le terrain normalement c'est une période. Quand ça te subit, voilà, tu marques ce que tu veux. On m'a préparé la même chose, comme on a eu le là. C'est vrai, comme il y a pas tout le monde, je dis que je vais là-bas. Parce que côté d'Ovéon, en tout cas, pour la Canada. Parce que mon robe est du gars, et puis avec Dieu, il fallait éviter de blesser. Mais après, ça fait du bien de jouer à la maison, de gagner. C'est vrai, ça n'a pas été facile. On a joué contre une bonne équipe. Maintenant, on a vu ce qu'on doit travailler. Et là, on va bien se reposer. On rejoue lundi. Et là, on va essayer de mieux faire et gagner avec Inch'Allah. Donc, on a la même ambition. Donc, j'espère que Nala sera lundi fera avec nous. Donc, je vais vous donner un grand espoir de vous faire un peu de temps. Pour nous soutenir. Pour nous donner un peu de temps.